Toujours très heureux de vous retrouver pour notre émission, notre magazine. Et c'est d'autant plus agréable de savoir que vous laissez tout ce que vous avez à faire pour vous installer confortablement et puis attendre cette tranche horaire. Alors nous, ça nous met la pression, histoire d'être convaincus du contenu que nous allons vous proposer. Et puis histoire également de savoir que à la fin de ce magazine, vous serez de plus en plus nombreux à vouloir le suivre. Vendredi, Diamanan, notre invité est là. Nous avons également, c'est bon à savoir, Monsieur Achille Ehouman, vivre avec quelqu'un de caractériel. Monsieur ou Madame, je sais tout. J'ai toujours raison. Alors comment vivre avec ce genre de personne? Alors, vous pouvez nous écrire par mail et vos réactions pourront être traitées en direct. Cela dit, nos invités sont là du lundi au vendredi. Ils veulent s'adresser à vous. Le week-end est déjà entamé, là, et donc beaucoup d'événements pour ce week-end. Ils vous demandent toute votre disponibilité. Voilà. Le décor étant planté, notre première variété, c'est Awa Kouma. Et juste après, nous recevons notre invité, Tiamanan. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour Marielle, maman. On dit Brico DJ ou Brico? Brico. Brico. Brico, ouais. D'accord. Alors aujourd'hui, vous avez une carrière solo. Ouais. Mais votre histoire a commencé de manière atypique. Ouais. Alors, on vous écoute, racontez-nous votre histoire. Je veux d'abord rendre grâce à Dieu et lui rendre toute la gloire parce que je suis sur ce plateau et voilà, de retour dans mon pays. Et il faut dire que ma carrière a commencé véritablement
juste après la rencontre avec Stéphane Doucouré. Père à son homme, on a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps. Et Doksaga. voilà, Doukzaga. Et donc, voilà, ma carrière a commencé véritablement là. Et voilà, tout est allé Pourquoi très qu'est-ce qu'il vite. a fait? Comment vous interveniez dans lui, sa carrière alors? C'était lié à sa carrière? Ouais, c'était lié à sa carrière, puisque c'est moi qui faisais les animations dans tous les spectacles où il partait, dans tous les pays. Et voilà, donc c'est dans une boîte que nous nous sommes rencontrés. Et voilà, donc avec toute sa clique, Jean-Jacques Kwame, Mola, Lino Versace, voilà, la Jet Set. Et voilà, donc c'est là tout s'est passé. Toutes ces Et animations. voilà. Et il y a un célèbre morceau de Feu Doux Saga, Oui, Héros National, Héros voilà, National. là où on m'a connu. D'accord. Voilà. On peut avoir un extrait? Allez-y, on a La l'extrait. Baboti Mambo yo, moi nanganga na boti Mambo yo. La Baboti Mambo, moi nanganga na boti Mambo yo. La Baboti Mambo yo, moi nanganga na boti Mambo yo. La Baboti Mambo, moi nanganga na boti Mambo yo. Allez décaler chinois, décaler chinois, quoi chonken, alim kinchon. Voilà. D'accord. Voilà, c'est En la partie. parenthèse, c'est quoi? C'est du chinois, vraiment? C'est des onomatopées, donc voilà, c'est pas du chinois. Donc on a fait recours un peu à Lim Kichong, Sujet du passé. C'était un film qui passait avec David Carradine sur les antennes de la RTI. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil D'accord. à ce film. Et c'est Voilà. ce qui vous a permis, donc avec lui, de faire des scènes. De faire des scènes, voilà, il était même nominé au Cora une fois. On devait partir là, la maladie a commencé. On a fait plein de pays. C'était comme un mentor parce que voilà, tu quittes la ville natale de Daloa, tu viens dans une grande ville comme Abidjan, tu rencontres comme ça une célébrité que tout le monde aime, qui aime ta tête, comme on le dit en griffe, et voilà, et qui te prend sous sa coupole, et vous tournez partout. Donc c'est comme un père. C'était comme C'est-à-dire un votre vie a changé du Ça jour au changeait du jour au lendemain. lendemain, tu deviens public dans Vous ta ville. quittez l'anonymat le plus total Voilà, total, et au star system. voilà. Donc on était ensemble tous les jours dans sa voiture, donc c'était comme un père, un mentor. Donc Donc je suppose que ça a dû être très difficile pour vous quand il vous a quitté. oui, beaucoup beaucoup difficile, beaucoup. Vous avez même voulu arrêter la musique? Oui, parce que voilà, c'est quelqu'un qui m'avait qui m'avait éduqué à sa manière, puisque voilà, tu étais vraiment jeune. Voilà, c'est lui mon grand frère, c'est lui, voilà, on se promenait partout, on partait dans tous les endroits. Voilà, D'accord. et il parlait avec ma mère, mon père à son âme, donc c'était comme un mentor. Et voilà, donc tu vois, dans la vie on dit, quand tu n'as pas de mentor, tu as tort. Voilà, donc c'était quelqu'un qui me donnait quand même une ligne à suivre, voilà, dans ce qu'il faisait. Et donc quand il est parti, c'était vraiment difficile. C'est J'ai difficile. voulu tout arrêter. Bref, bon, donc après on s'est remis, et voilà, et là ça commence à bouger après. D'accord, mais Voilà. plusieurs années après, en fait. Ouais, Vous avez plusieurs eu un années passage à après, vide de un plusieurs passage années. à vide. Voilà, j'animais seulement dans des boîtes de nuit et tout et tout. On m'invitait même dans des pays pour essayer des fois des ambiances à la manière d'Ouxaga et tout. Donc je partais pas, mais après voilà, je me suis dit que voilà, c'est la vie. Voilà, il a joué son rôle et il est parti. Et donc à nous de pérenniser le mouvement. D'accord, Voilà. très bien. Voilà. Aujourd'hui, vous avez une histoire personnelle, vous avez des morceaux, des tubes, Ouais. pour les personnes qui ne vous connaissent pas, un extrait, hein, d'une de vos D'accord. productions, et puis D'accord. on revient sur le plateau. D'accord, merci. Je deviens ton ami aujourd'hui. C'est ça la belle réconciliation. DJ Brico, Samaria Fanema. Voici le featuring pour lui, le Wayaya Téliman. Fanema. Chef Fabrik. Yaya Samaria Passer la journée. Fanema. Dommage. Dors. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allahu Akbar, wa alaykoum salam. Bonjour, bonsoir, ayo, Anissa, comment?
sachant que nous prions tous le même Dieu. Mais pourquoi s'entretuer? Mais pourquoi se diviser? Mais quand balle perdue traverse ton immeuble pour venir casser ta télé, c'est là tu vois que pisseler la guerre, c'est pas un jouet. Y'a un temps pour faire la guerre, mais y'a un temps pour faire la paix. Sinon pourquoi quand tu dis bonjour à un Rwandais, il dit peace and love? C'est parce que la guerre, il connaît les malheurs que ça fait. Dans cette guerre, chacun a perdu quelqu'un. Faut voir les Ivoiriens quitter la Côte d'Ivoire pour le Ghana. Non, joli, joli, c'est la foi. Pour le voir, c'est toujours au Bénin. Il n'est plus question de savoir qui est coupable, mais cherchons à savoir qui est capable de surmonter sa haine, sa rancœur et puis aller à la réconciliation. Si tu es un pain orange, faut envoyer. Si tu es un pain blanc, faut envoyer. Attends, tu es un pain vert là-bas, faut envoyer. On va décoller notre drapeau. Moi j'habite Yopougon. Quand il y a Tabaski, je porte mon boubou pour aller manger mon mouton chez mon frère Madou à Bobo. Je ne vais pas te demander ce que tu as perdu. Pardon, faut pas me demander ce que j'ai perdu. C'est touchant. Merci. C'est un style très différent. Oui. Alors ça, c'est votre identité. Voilà, c'est mon identité parce qu'il faut dire que depuis mon enfance, je me suis baladé entre les gens musicaux. Mm-hmm. Du rap, comme tout enfant qui aime le rap. Mm-hmm. Du rap, du ragamuffin, après le zouglou, voilà, et après le reggae et tout. Et donc, je veux dire que... Voilà, c'est un style dans lequel on me retrouve avec mon frère Billy Billy que je salue au passage. Et donc, nous avons, pendant le temps en griffe que la Côte d'Ivoire a connu et tout, donc on a décidé voilà, d'apporter notre pierre à l'édifice de la réconciliation. Mm-hmm. Et cette chanson a touché le programme des Nations Unies pour le développement. Mm-hmm. J'espère que je ne fais pas de pub. Hein. Non, allez-y. D'accord. Mm-hmm. Donc, le programme des Nations Unies pour le développement qui ont décidé de nous accompagner dans cet élan-là, donc voilà, et ils ont pris le clip, voilà, le clip passé des chaînes étrangères, et donc voilà, c'est un clin d'œil à la réconciliation nationale et que l'amour règne dans le cœur de tous les Ivoiriens. Très bien, parce que c'est très différent dans le sens où, dans le cortège de Doug Saga, c'était le show, c'était la jet set, beaucoup de m'as-tu vu. Ouais. Et là, maintenant, quand vous êtes vous-même dans le registre que vous avez choisi, c'est de l'humilité, on a l'impression que c'est paradoxal. Voilà, en fait, il faut dire que tous les membres de la jet set, c'est-à-dire il y a la télé et il y a aussi l'arrière-télé. Mm-hmm. C'est-à-dire, comme je prends l'exemple, il y a Maman Mariam, vous, on voit la télé, ouais, mais il y a Maman Mariam à la maison. Mm-hmm. Et donc, je veux dire que Doug Saga, derrière la télé, c'était quelqu'un qui aimait l'homme, qui aimait l'amour, voilà. Donc, voilà, qui aimait partager, qui aimait rigoler, comme tous les membres de la jet set et tout. Mm-hmm. Et il faut dire que depuis mon enfance, c'est quelque chose, c'est mon rêve. C'est-à-dire, le coupé de Calais est venu quand même, nous sommes dans l'ambiance et tout. Mais maintenant, je veux sortir ce que je sais faire. Voilà, c'est plus... Vous avez des morceaux coupés de Calais aussi? Oui, j'ai des morceaux coupés de Calais. Mm-hmm. Et voilà, le suivant qu'on va voir, c'est du coupé de Calais? Oui, c'est du coupé de Calais, mais un peu de rythme à Kossa. Ah. Parce que je voyage un peu avec la guitare et tout. Mm-hmm. Donc, voilà. D'accord. Voilà. Mais voilà, c'est ce qu'il fallait nous dire. Voilà, donc on regarde. Puis, voilà, on regarde. Hey, oh mama, oh, François Cognon, Toupi. Ça n'est pas ballon d'or. La mine Touré. Côte d'Ivoire, terre d'espérance, toujours prospérité. Tu es le pays le plus convoité. Chance massive. Côte d'Ivoire.
France, toujours prospérité. C'est le pays le plus bon de Côte d'Ivoire. On va danser, on va bouger. Côte d'Ivoire, on va danser. À Kinshasa, on va bouger. À Libreville, on va danser. À Porto-Loué, on va bouger. Connaissez Kretou, c'est fort, c'est fort. Jean-Roger Adam. Alors, nous sommes déjà au terme de cet entretien. À ce stade de votre carrière, quels sont vos projets et quel est votre message à vos fans? Mes projets actuels, c'est la sortie de mon dernier single, voilà, Grâce de vie, et avec un titre promotionnel Gazou. Mm-hmm. Et donc, c'est un titre où je parle de la femme en général, de ne pas se fier à la...